Venez, venez les candidats, venez, venez, venez. Est-ce qu'on peut les applaudir? Venez, est-ce qu'on peut applaudir pour les candidats? Mettez-vous là. Voilà, mettez-vous là. Voilà nos quatre candidats, parmi lesquels la jeune dame de 17 ans qui prépare son baccalauréat cette année. Donc, Alors, Marie-Françoise, en nos trésors. Alors, c'est un peu comme quand on attendait les résultats des examens. Il y a une espèce d'angoisse, de frisson qui monte. Mais de toutes les façons, je vais vous dire, vous avez été tous merveilleux. Vous avez été bons, mais bon, il fallait bien qu'un seul se dégage. C'est comme ça, hein? C'est comme ça la loi. Alors, je vais donc vous donner le nom du gagnant de la première édition des Ndang Ndang Mendang 2024, vainqueur du concours national de balafon, candidat numéro 6. Candidat numéro 6, il s'agit de Serge et Coton. Bravo Serge, bravo. Meilleur balafoniste 2024, Serge et Coton, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît, écoutez-vous Serge. Wow. Wow. Félicitations Serge. Félicitations Serge. Félicitations. Bravo Serge. Est-ce qu'on peut applaudir pour Serge? Oh là là. Faut pas pleurer Serge. Mets-la, mets-toi là, mets-toi là Serge, mets-toi là. Nous allons inviter son excellence, monsieur l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, à venir remettre le trophée à Serge. Monsieur Philippot, est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît? Serge, il ne faut pas pleurer, félicitations. Et c'est un jury vraiment de qualité, hein, donc il n'y a pas eu de tricherie. Parce que je connais la rigueur de Fabiola, Marie-Françoise, Laure Noire, Mustapha, je sais que ça rigole pas, et bien sûr Raphaël aussi. Bon, vraiment, là, il n'y a pas eu de combine. Monsieur l'ambassadeur, voilà, donnez le trophée. Et il s'en sort avec... Donc vous mettez d'abord le trophée avant, allez-y, rapprochez-vous Serge. Félicitations. Voilà. Vous allez monter pour la photo excellence, mon fils. Voilà. Photo. Et vous allez lui remettre également ce chèque d'une valeur de 200 000 francs CFA. Wow. On peut applaudir, s'il vous plaît.